Coucou tout le monde! Je sais que ça va vous déranger, mais je peux toujours pas vous faire une vidéo ASMR, donc je vous rejoins aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'avais l'habitude de faire, hein, tout simplement, parce que comme je l'ai expliqué sur ma vidéo en catalan, et pour ceux qui ne savent pas, j'ai marqué une petite info en anglais, pour ceux qui parlent anglais. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de le faire en français. Mais voilà, donc après ce week-end, mon mari devrait pouvoir m'aider avec mon problème de micro et de questions techniques. Et je pense que lundi, mardi, je pourrais commencer à filmer des vidéos ASMR comme avant. Qualité son, lumière, etc. Je suis vraiment très contente des gens qui ont pu m'aider pour acheter du nouveau matériel, pour même pouvoir m'acheter, c'est pas un ordinateur, mais c'est quelque chose que je peux vraiment utiliser pour aider les questions du son, justement, parce que c'est ce qui est très difficile de faire avec l'ASMR, c'est le son. Il va être très sensible, c'est très compliqué pour moi parce que je suis vraiment pas quelqu'un de technique. Donc voilà, mais sinon ben, je vous rejoins aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Et ben, je voudrais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi je suis partie aussi longtemps de YouTube. Et ben, le problème c'est que ben, j'habitais à Barcelone avant. Il y a 2 ans de ça, et on est parti en Écosse parce que, comme beaucoup de gens le savent, mon mari est écossais. Et donc on était très content de venir ici pour environ 8-9 mois, mais comme lui il ne parle pas catalan, c'était vraiment très difficile pour lui d'avoir un travail vraiment stable, un job bien rémunéré long terme. Ce qui nous a un petit peu obligés de venir ici. Et j'aime beaucoup l'Écosse, hein. C'est super agréable, mais c'est quand même un changement de vie important. Surtout parce que j'ai un petit garçon qui parle quasiment que anglais maintenant, ce qui est un petit peu bizarre. Mais c'est pas grave, hein. On s'adapte. Et j'aime beaucoup aussi, c'est très vert, c'est vraiment frais. Il y a beaucoup de nature partout, même dans la ville. Donc j'aime beaucoup ça pour élever un petit enfant. Mais voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que comme j'étais pas chez moi, parce qu'on était quand même les 6 premiers mois, on était chez sa mère, donc chez ma belle-mère, il fallait que je m'organise différemment pour filmer. Et j'ai commencé à filmer avec mon téléphone. Le problème, c'est que... Alors c'est pas du tout pareil, hein. Il faut faire la connexion entre le micro et le téléphone, c'était vraiment très difficile pour moi, ça ne se faisait pas bien, je ne sais pas pourquoi, je suis pas quelqu'un de très technique, donc c'était compliqué pour moi, même avec l'aide de mon mari et de YouTube. Et du coup bon, j'ai commencé à filmer avec mon téléphone et je vois que le son il n'était pas là, donc c'était pas vraiment muet, mais on n'entendait quasiment rien, donc je pouvais même pas mettre le volume à 3000, ça ne marchait pas. Je me suis dit bon ben c'est pas grave, j'achète un nouveau micro. J'ai acheté un micro 360 degrés, super belle marque, ben, vraiment un beau micro assez cher. J'achète ça et j'achète le petit port pour pouvoir connecter sur mon portable. Et je commence à filmer et je vous jure, le micro s'est arrêté de marcher. Donc je sais pas ce qui s'était passé parce que c'était pas la batterie, c'était pas le fil de connexion, il y avait rien qui... Vraiment, il y avait rien qui clochait, hein. J'ai rien compris, je ne sais pas pourquoi, il est mort sur mes mains. Donc voilà, donc je me suis dit, bon c'est pas grave, hein, je vais continuer. J'ai acheté des écouteurs Apple qui ont le micro qui est assez sensible en fait, accroché sur le fil. Et je me suis dit bon moi je vais filmer comme ça et je vais m'excuser auprès des gens et je vais expliquer pourquoi je peux pas filmer comme avant en 360 degrés. Et j'ai commencé à filmer, donc ça marchait très bien, j'avais un son qui était quand même
Voilà, ça marchait, hein. C'était pas super son comme avant, mais c'était convenable. Et après ça, je me suis rendu compte que quand j'ai mis les vidéos sur mon ordinateur, au début ça marchait, et puis après, je voyais la vidéo qui était complètement. C'était comme si la moitié de la vidéo était partie, donc effacée, quoi. Et pas complètement effacée, hein, c'était bizarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon téléphone s'est arrêté de filmer ou de. La capture d'image n'était pas la même, c'était vraiment bizarre. Le son était ok, mais c'était pas non plus. Voilà, je savais pas si je pouvais mettre ça sur YouTube ou pas. Et du coup, ben, je me suis dit, c'est pas grave. J'ai acheté plusieurs. En fait, j'ai vraiment essayé de refilmer avec plusieurs méthodes. Même à des périodes différentes pour voir si c'est pas juste une question de bug, mais pas du tout. Je me suis dit, bon, d'accord, c'est la vie qui me dit, c'est plus le moment de filmer, il faut que tu fasses d'autres choses. C'est une période comme ça, je sais pas, parfois la vie te dicte un petit peu ce qu'il faut que tu fasses. Et je me suis dit, bon, c'est un signe du ciel, il faut que j'arrête. Donc je peux plus filmer. Et du coup, après une certaine période, je ne me souviens plus, on a trouvé notre petite maison. Et là, donc, j'ai pu refilmer normalement avec la caméra, enfin, tout le matériel que j'avais, parce que mon beau-père, donc le père de mon mari, avait pas mal de matériel. Il a pu me le prêter, mais c'était quand même pas. J'étais pas habituée à ce genre de matériel. C'était un matériel vraiment pro. Et c'était pas facile, quoi. Pour moi. Il fallait que, voilà, que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube pour voir comment ça marchait, comment il fallait que. C'était compliqué. Et du coup, bon, j'ai commencé à filmer. Et mon ordinateur portable s'est complètement arrêté. Donc, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, je ne pouvais même plus allumer mon ordinateur portable. Il n'y avait pas de virus, il n'y avait rien clochait, il n'y avait pas d'explication quoi. Donc je me suis dit c'est vraiment vraiment un signe du ciel là, donc je vais m'arrêter. Et je me suis vraiment arrêtée, j'ai oublié toutes les questions de vidéo, je me suis mise à poster quelques photos sur Instagram. J'ai été vraiment limitée à Instagram hein, parce que je pouvais vraiment pas filmer, pas de la ASMR. Donc voilà la raison principale pour laquelle j'ai pas pu faire de vidéos jusqu'à présent. Sauf que là, en plus, alors je peux pas vraiment parler de ce sujet sur YouTube librement. Je ne comprends pas très bien pourquoi, mais je pense on peut vous bloquer la vidéo ou alors, bon, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est pas grave, hein. On va faire avec. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période je sais pas comment dire, de changement de vie pour tout le monde. Hein. J'ai fait une grosse, grosse, grosse déprime, mais vraiment énorme. Je me sentais complètement exclue de la vie. Je me sentais quasiment morte à l'intérieur, mais avec un corps vivant. Je sentais que je pouvais plus avoir une raison de vivre, c'est-à-dire que je me levais le matin et je ne voyais pas de différence avec le jour. Le jour, la nuit, le sommeil, tout était pareil, vraiment, c'était une répétition constante. Jour après jour, c'était les mêmes événements, c'était le même environnement, les mêmes gens, les mêmes expériences, quoi. C'était juste des responsabilités, mon mari qui était vraiment stressé avec un job qui était vraiment très lourd. À la maison, qui ne partait pas de la maison, on se marchait sur les pieds tout le temps. C'était vraiment le bordel absolu dans la maison. Il y avait mon petit enfant il avait 2 ans à l'époque, je crois, 2 ans et demi, qui hurlait toute la journée, qui était vraiment, qui s'ennuyait à mort, qui vraiment, oh, c'était horrible, stressant, irritant, déprimant.
il n'y avait pas une chose dans la vie qui me faisait plaisir, à part bien sûr faire des vidéos ou peindre, colorier, faire du coloriage, etc., des portraits. Et le problème, c'est que je ne pouvais plus faire de vidéos. Et les portraits et le coloriage, bon, ça va pendant un moment, mais après, je ne vais pas faire ça pendant toute la journée. Je voyais plus personne, j'avais pas mes copines, j'avais plus ma famille. Mon gamin qui parle anglais et que anglais, ça me gavait parce que bon, je comprends qu'on est là parce qu'il y a une raison, hein. Mon mari peut pas apprendre le catalan parce que c'est vraiment, il n'est pas fait pour les langues, donc c'est très compliqué pour lui de passer de l'anglais à une langue beaucoup plus complexe comme le catalan. Et du coup, voilà, on est là, que j'adore vraiment l'Écosse, c'est très joli, j'aime beaucoup les gens, ils sont très agréables, humbles, vraiment simple, souriant, ouvert. J'aime beaucoup beaucoup l'Écosse. C'est pas ça le problème. C'est vraiment que voilà quoi. Je suis pas chez moi. C'est pas mes petites habitudes plutôt européennes d'aller prendre un petit café, d'aller se promener. Bon, c'est autre chose hein, quand même. En plus, il pleut toute la journée. Mais quand je vous dis toute la journée, c'est toute la journée tous les jours. Donc bon, on a un jardin superbe, mais je peux pas vraiment m'en servir. On est vraiment à la maison avec le gamin qui hurle, voilà. Vous imaginez un petit peu le truc, et je pense qu'il y a beaucoup de familles qui se sont retrouvées dans une situation pareille, mais en plus moi je suis pas du tout habituée à une vie de banlieue, je suis habituée à vraiment à une vie de centre-ville, avoir tous les petits magasins, toutes les petites boutiques, les petits cafés. Donc c'était vraiment un peu trop lourd, tout ça, ensemble, en même temps. Et du coup, j'ai commencé à déprimer, et il y avait un moment où j'ai fait une crise hormonale, je pense. J'ai l'impression d'être en ménopause à mon âge, et je vais pas dire mon âge parce que voilà, c'est YouTube et j'ai voilà, je veux pas. Mais à mon âge, il faudrait que je sois vraiment, mais hyper fertile quoi, hyper fertile, un petit lapin. Et au lieu d'être hyper fertile, j'ai quasiment perdu mes règles. Pas perdu mes règles, mais elles étaient quand même vraiment, elles étaient vraiment pas pareilles, hyper courtes de durée. Vraiment, j'ai passé de 9 jours abondants à un jour et demi, quoi. Donc c'était vraiment, est-ce que je suis enceinte? J'ai fait des tests de grossesse, j'ai fait, bon, je suis allée chez le médecin, ma gynéco m'a dit, non, tout est normal, t'es pas en ménopause, t'es pas, tout était normal, sauf que, voilà, mes règles n'étaient pas normales du tout. J'ai commencé, tu sais, à perdre mes cheveux, à vraiment avoir une chevelure vraiment bon ça quoi, Hermione, pas normal du tout chez moi, c'est poreux, c'est sec, c'est abîmé, c'est vraiment je sais pas ce qui s'est passé, même la texture, moi j'ai toujours eu des cheveux vraiment quasiment raides, très très lisses, mais là c'est vraiment des cheveux c'est pas mes cheveux quoi, bon c'est pas ce qui compte hein, mais c'est juste un des symptômes. L'autre symptôme, c'est que tout d'un coup, je ne pouvais plus du tout digérer, mais du tout, même pas des petites purées pour bébé, quoi. Je ne pouvais pas digérer, je n'allais pas aux toilettes, j'avais des reflux horribles, vraiment, j'avais des brûlures dans la gorge toute la journée, toute la nuit, je ne pouvais pas dormir parce que j'étouffais dans les acides gastriques. Et en plus, je perdais ma voix de temps en temps à cause des brûlures, hein. J'avais la peau très 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 sèche, mais sèche, du carton quoi, vraiment pas élastique, peau ménopause. En plus, j'avais des bouffées de chaleur. Je pensais vraiment que c'était la ménopause hein, pour moi, mais on m'a dit non, tout est normal. Bon, j'ai pas compris pourquoi et comment ça se fait que tout soit normal, c'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave, j'avais tous ces problèmes-là. Plus la dépression, plus ensuite, ce qui a commencé à se passer au niveau du mental, c'est que j'ai complètement perdu la. En fait, j'avais vraiment un brouillard dans la tête toute la journée. Je ne pouvais plus me concentrer, je ne pouvais pas trouver mes mots. Je pouvais
oublié le code de ma carte bleue. J'appelle mon mari parce que j'ai complètement oublié, je suis au supermarché, donc je ne pouvais pas m'en servir. Et donc il me dit le code, je tape le code. 5 minutes après, je vais dans un autre magasin, j'utilise ma carte bleue, je me souviens plus du code. Donc vraiment, j'avais pas de mémoire, des problèmes de mémoire énormes, énormes. Je me souvenais plus des rendez-vous, je me souvenais plus de mon âge. Alors je suis allée chez le dentiste, parce que j'ai eu des problèmes dentaires aussi, et je me souvenais plus de mon âge, quoi. J'ai mis la mauvaise date quelque part. Enfin, j'étais vraiment dans un énorme brouillard dans la tête. Pas de mémoire, pas de concentration. J'étais presque démente, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, entre la dépression, ces changements de vie énormes qu'on nous a imposés, et puis tous ces changements dans ma vie, je pouvais plus vraiment m'épanouir, je pouvais plus me sentir vivante. Et je me suis dit, c'est pas grave, je peux pas filmer mon mari m'aidera, mais je vais quand même filmer des petites vidéos comme ça, même si il n'y a pas le son, même si c'est pas parfait au niveau fond, lumière, etc. Avec des cheveux d'Hermione, c'est pas grave. Donc voilà, ça me fait plaisir, ça m'aide un petit peu à me sentir vivante, avoir des expériences différentes. Même le fait de sortir dans la rue et d'avoir ces petites expériences qui te rendent heureuse, genre quelqu'un te sourit dans la rue, ou je vais chercher mon enfant, c'était pas l'école à l'époque, mais bon, c'est pas grave, à l'école et parler avec les mamans, les papas, parler avec, je sais pas, mais même avec les maîtresses, pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée, comment mon enfant se développe. Des petits mots, quoi, tous les jours, des petits commentaires, de pouvoir se parler, d'avoir un petit peu je sais pas, une expérience de vie, un changement, quelque chose qui n'est pas complètement stagnant, complètement mort, un rythme et des expériences différentes qui font que quand on met les expériences et enfin, l'une à côté de l'autre, ça fait comme un film, ça fait comme une vie qui est vécue et ça ne fait pas, c'est la même photo, le même environnement, les mêmes expériences tous les jours, ce qui fait qu'on perd le fil, on ne sait plus quel jour on est, on ne sait plus quelle saison on est, on ne sait plus qui on est puisqu'on n'a pas, on peut pas avoir cet échange avec le monde extérieur, du coup, on est perdu, on est... Moi, j'étais complètement désorientée. Bref, horrible. Donc, et en plus de ça, alors, je voulais commenter parce que j'ai eu... comment j'ai appelé ça? La petite chose qu'on vous met sur le bras, on va dire ça comme ça. Parce qu'on ne peut pas nommer les choses. Hein. Et s'il vous plaît, ne commentez pas les mots qu'il faut pour parler de ce genre de choses. Parce que je pense qu'on peut mettre ma vidéo en red flag, je pense. Je ne l'ai pas très bien compris pourquoi. Mais voilà, donc on fait ça comme ça. Mais après, alors 1 heure après, la petite chose que vous mettez sur le bras. Alors, déjà, je pensais que quand on vous dit vous aurez un petit peu mal au bras ou une sensation de brûlure ou un petit peu de. Enfin, bref, 2, 3 petites choses qui sont très normales pendant ce genre d'événement. Moi, j'avais vraiment le bras mort. Mais quand je vous dis mort, c'est je pouvais pas du tout le bouger. Je pouvais même pas. Presque bouger ma tête, je pouvais pas bouger toute cette partie de mon corps, c'était affreux, mais vraiment immonde, c'est une douleur insoutenable, horrible. Alors pendant la nuit, je me souviens que j'essayais de dormir et je me réveillais comme ça en sursaut parce que c'était vraiment hyper douloureux, quoi, mais horrible, hein.
horrible. Donc du coup, même avec des médicaments et tout ce qu'il fallait, ça m'a... Bon, bref. Je vous explique tout ça parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi je me suis arrêtée de filmer des vidéos. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'étais plus motivée ou que j'en ai... Enfin, je vais pas dire ça comme ça, mais que j'avais plus de motivation pour filmer ou que j'avais perdu vraiment mon envie de partager avec les gens, mon envie de continuer ma chaîne, mon envie de faire ça, quoi. Donc, c'est pas du tout ça, c'est juste que j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes à beaucoup de niveaux et voilà, ça s'est accumulé et je pouvais plus vraiment filmer comme avant, quoi. Donc, ça, c'est la première fois où je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu filmes quand même. Le matos et tout ce qui est technique, c'est pas le plus important. Les gens, alors j'avais quand même beaucoup de messages de gens qui me disaient, mais s'il te plaît, reviens. On sait pas ce qui t'est arrivé. Je ne savais pas quoi dire parce que c'était trop long à dire sur un petit message. Je répondais pas. Bon, je disais, bon, j'espère que je peux revenir bientôt. Oui, bientôt. Mais je ne peux pas vraiment filmer la vidéo pour dire que, bon, pour tout expliquer. Donc, du coup, heureusement, j'ai un nouveau portable. Heureusement, alors j'ai plus d'ordinateur. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais vraiment mettre la vidéo telle qu'elle est sans rien, quoi. Donc, voilà, je peux pas faire de coupure, je peux rien faire. Du coup, je pense qu'après ce week-end, parce que mon mari va m'aider, on a acheté un micro, on a acheté une boîte de son, je vais me servir peut-être de l'ordinateur de mon mari pour faire ça, s'il est assez gentil pour faire ça, et je pense qu'il va l'être. Mais je pense que lundi, mardi, je pourrais déjà commencer à refilmer des vidéos ASMR avec un son ok. Je pense que bon, on va tout essayer, hein, mais je vais quand même mettre des vidéos, même si c'est pas parfait, pour me faire plaisir, pour faire plaisir aux gens. Et je pense que les vidéos en français, c'est les vidéos qui ont été le plus appréciées. Parce que alors j'avais beaucoup de vidéos en anglais au début, mais j'ai vu que alors les gens regardaient vraiment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les gens regardaient vraiment pour s'endormir. Ils utilisaient les vidéos parce que ils en avaient besoin, mais ils n'avaient pas cette connexion avec moi, donc ils s'en foutaient un petit peu si ça n'allait pas de mon côté ou si je commençais à publier des vidéos aussi dans d'autres langues, ils n'aimaient pas du tout ça. Alors je comprends, hein, c'est compréhensible, mais c'était vraiment, on veut plus te revoir, quoi, carrément. Donc je vous dis bye bye, je vous embrasse très fort et à la prochaine.